Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. On est parti aujourd'hui pour une vidéo alors qu'il n'était pas prévu. On se retrouve en compagnie de Skyling, alors qu'il n'est pas avec Manon, pas du tout, mais qui est là pour que je lui passe ses exos. On est sur Jiva, donc voilà, il m'a proposé de passer ses exos. Il en a apparemment pas trop mal à passer en plus, donc on va voir. Ça devrait pouvoir être sympa en tout cas. On va lui souhaiter bien sûr toute la chance possible et on va espérer qu'il y ait un maximum d'exos qui passent. On va voir ce que ça peut donner. Donc je le rejoins directement à l'atelier des forges mages. On va quitter cet endroit évidemment. Et donc on va se lancer ça. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Ouais, les amis, attendez 2 secondes, je vous reprends avant de vous laisser à la suite de la vidéo. J'avais plusieurs choses à vous dire, donc là je suis après la vidéo, on est tranquille. Alors, première chose, vous l'avez sûrement déjà vu, j'ai changé de thème Dofus, donc je suis passé en bleu, c'est vraiment classe. Ça change et ça fait plaisir, donc voilà, première petite remarque. Voilà, je tenais à le dire, c'est vraiment sympa, hein, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est bien. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est par rapport à la vidéo. Je voulais savoir un peu ce que vous allez penser de la vidéo, donc c'est pas encore lancé, mais je voulais savoir un peu est-ce que ça va vous plaire ou pas, est-ce que ça vous aura plu. Cette petite vidéo, donc j'aurais appelé Spec Exo, donc moi je ne fais que regarder les exos que notre ami va nous passer, donc c'est peut-être quelque chose que je pourrais refaire dans le futur. Donc si ça vous tente, si vous avez apprécié la chose, ben, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires et dans les pouces bleus, ça serait vraiment cool. Merci d'avance en tout cas à tous ceux qui le feront. Je prendrai ça comme un ouais, on veut bien que t'en refasses. Si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, hein. Je comprendrai que c'est pas ouf, ça peut aller éventuellement, je sais pas. Donc bref, on verra. J'espère que vous serez présents. Merci d'avance en tout cas. Et dernière petite chose, allez, vu qu'on est là, je vous ai montré, enfin, je venais ici pour vous montrer un peu l'interface, la tête que ça faisait et tout. C'est vraiment bien en bleu, hein. J'aime vraiment bien. Et du coup, pour la prochaine vidéo, petit. Eh, ma souris, ok. Voilà, je vous montre ça, je vous en montre pas plus. Allez, je vous en montre un deuxième. Voilà, petit indice, on n'en dit pas plus. Donc voilà, vidéo que j'ai vraiment hâte de tourner, qui va être vraiment fun et qui devrait être vraiment énorme surtout. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage et voilà, ciao ciao. Voilà, on est arrivé à la statue Yop. Alors il va me donner de quoi le rejoindre tranquillement. Donc c'est cool. Ah ouais, ah ouais. Donc du coup les gars, c'est parti, ça part, ça commence. Alors il a beaucoup d'exos différents, d'items différents à faire, donc c'est pas que des anneaux, pas du tout. Il y a des repassages, il me disait aussi. Donc vraiment voilà, ça doit être vraiment sympa tout ça. En tout cas il fait confiance, ça fait plaisir. En tout cas il a raison, il n'y a pas de souci. Enfin il a raison, il faut vraiment se méfier sur Dofus les gars. Ne faites jamais trop ça n'importe comment. Mais là il n'y a pas de souci quoi. Il peut me faire confiance. Ouais vraiment là il y a du lourd. Il sort le gros gros lourd. Alors moi je lui demandais juste une potion de Bonta par exemple. Ça devrait être wow, vraiment sympa en tout cas. GG pour tous ces items. On peut dire que la variété est présente. Alors, est-ce qu'il pourrait me donner une petite... Ah, Brakmar. Ok, on va à Brakmar. Ok, ok. Ok, nice. Il sort le gros, gros, gros contenu. Bon. Bah ok. On va le laisser valider. On a une hache à l'œil, donc on va voir ce qu'il va vouloir faire. Bon, on va voir tout ça, de toute façon, il va nous dire qu'est-ce qu'il va vouloir qu'on passe. Donc, c'est parti. Ouais, 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 t'inquiète pas. Ouais, 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 t'inquiète pas. Donc, on est parti directement à Brakmar. Hop. Alors, Brakmar, pourquoi pas. Ça va avec notre magnifique skin rose, bien évidemment. Alors, l'atelier de forgemage, c'est parti. Donc, il va nous inviter. Il va pas... Ah bah non, de toute façon, on n'aura même pas à s'occuper de... à passer les runes, voilà. Donc c'est lui qui va se faire tout ça. Alors, il est où? Il est en haut peut-être. Goétage, ok, nos soucis. Allez, c'est parti. Pas grand monde, sur Jiva en tout cas, je suis en train de voir. Bon, on va voir. On lui souhaite toute la chance possible. La chance est là-bas, ok, d'accord, ouais. C'est possible, ouais, bon, moi, je préfère Bonta, mais... Chut, chut. Faut pas le dire. Ok, donc qu'est-ce qu'il veut qu'on mette? Alors, on va tout mettre, on va laisser travailler. Alors, c'est parti, on partage et on lui souhaite bonne chance. Alors, ah oui, donc là, c'est un repassage classique. On a quoi de beau? Alors, soit je suis bigleux, soit je vois pas. Il y avait un Overvita de 50, ok. Ensuite, les Tongidas, qu'est-ce qu'il y a de beau? Oh, non. Soit je suis bigleux, soit il n'y avait rien, je sais pas. Une petite PO, ouais, non, il n'y avait rien d'exceptionnel en fait. C'est juste, il y a des jets classiques et il y a des jets un peu des over. Ok, donc là, la petite PO qui passe, donc sur un jet classique. Ah, ok, il va tenter l'exo derrière. Très très bien. Donc pour l'instant, on est sur de l'échec. Ok, donc ouais, il a les tentats, repassage, enfin, passage d'exo pour 100, puis après il tente l'exo. Donc pour l'instant, ça veut pas. Le petit PM là, avec un 25 d'over vita, d'accord, ça ne passe pas.
Les sandales machin, non? C'est pas ça? Circulaire du Kimbo, c'est pas ça l'item là? Ouais, c'est ça. Ok, donc je sais pas ce qu'il fait avec tous ces items en tout cas, mais pourquoi pas. Un petit 2% ici sur les bottes du Dragueuf. Attention. Le petit succès, d'accord, c'est sympa. Un petit over tout mignon. Ah, ok, pour le PO, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Le PA qui ne passe pas. Donc, ouais, il fait des tentas assez originales. Pourquoi pas. Je vois pas pourquoi il voulait des ceintures PA comme ça, mais pourquoi pas. On a peut-être besoin. Le PM qui passait et derrière la tentée, le PO. Ici, PA. Ok. Je sais pas, je connais pas du tout le commerce sur Jiva. En tout cas, je sais pas si c'est pour vendre ou si c'est pour lui en tout cas, mais ok. Oh, ok, non, c'est pas passé du tout. Le PM, rien d'exceptionnel non plus. Donc, on va passer au suivant. On a fini pour le corps de mage. Costumage, je sais plus ce qu'il avait. Donc, pour l'instant, on n'a rien eu hein, de beau. On va continuer d'espérer. Alors, on a un petit peu, on a quelques items sympas. Allez, c'est parti. Les caps reski. Ouais, en fait, je comprends pas trop ce qu'il veut faire avec ses exos, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, ça fait des tentas, c'est sympa. Encore merci à toi, hein, c'est sympa. Hein. Déjà pour la confiance, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Donc, des tentas PA sur des caps reski. D'accord. D'accord, c'est pas des items, j'ai trop l'habitude de toucher, moi. Ça. D'accord. Toujours rien. On aimerait le petit succès, ça serait cool. Évidemment. La petite cape d'Hermine. La corbe à cale, il remet le PO qui ne passe pas. Le petit PM. Il a réussi à passer quelques trucs en plus, mais pas d'exo pour l'instant directement. Le PM qui passe, sûrement le. Non, pas le PO, l'invoque. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va rien mettre. Qu'est-ce qu'il va mettre? Je garde comme ça, d'accord. Ok, je sais même pas ce que ouais, c'était une létanine. Ouais, bon. Létaline. J'ai fait la même faute dans la vidéo brisage. Létaline, je disais Nine. Bref. Du coup, la Capatiam qui est pas passée. Là, on a la Bretteur Céleste qui est mignonne. Elle est plutôt mignonne d'ailleurs. 55-55. Le vol d'encre. Ok, donc c'est juste un petit pourcent. Peut-être le PM si derrière le PO passe. Ça serait beau. Imaginez qu'on ait le petit succès PM sur Val d'encre. Ça serait vraiment beau. J'espère qu'il va passer. Bonne chance. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ok, ça c'est quoi ça cet item? C'est un nouveau item, je crois. Ouais, MK. Mantaz, peut-être. Attention. Oh là là, ce joueur. Ok, donc ni lézard, rien d'exceptionnel pour l'instant. Ok, PA peut-être, ok. Et ça ne passe pas. Punaise! C'est pas très le succès. Doro le Black, toujours rien. Le petit PO qui repasse. Femme, Dremohan. Ça c'est Hermine encore. PM. Allez, 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 un petit truc là. Oh là là là. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe là. On va passer au joyau, je pense. Ok, préfère faire le forge mage peut-être d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Non, sculpte mage. Il a des baguettes. Donc voilà, je sais vraiment pas trop ce qu'il veut faire. Faudrait que je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ça. Mais d'accord. Mais d'accord. Alors là, c'est des items pour le fun. Racine Semilla, ça fait de temps en plus, hein. Bon, voilà. Écoutez. Ok, bague éternelle, toujours rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Et en elle encore, ouais. Toujours rien. Aïe, 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 aïe. Le petit peu aura passé avant. Elle est plutôt sympa. 360, ça fait joli. Avec tous les dos. Ouais, joli. Joli, joli. Il a dû avoir un autre puits avant. Ou alors c'est super simple à FM, je sais pas trop. Je garde aussi. Ok. Nice. Alors, Floribond. Ok. Pinaise. Ah ouais, c'est un Thanos, by the way. Toujours rien, quoi. C'est plutôt Triss Maléfisk. Exactement. Le PA qui va. Il va mettre PA? Ouais. Et B. Oupsigny. Ah, j'avais même pas vu. Il avait une HL. Ouais, voilà, il va m'inviter. En forge mage d'abord. Alors, ouais.
une épée Glourse aussi. J'en ai fait une pour moi d'épée Glourse pour le PVM. D'ailleurs, il faut savoir que je vais restuff, enfin, je vais faire un petit stuff pour PVM sur les cas. Et j'ai galéré à passer cet exo PO. C'était assez drôle. Du coup, toujours rien. C'est super décevant. Daguedin, rien. Lâche à l'œil, PA carrément. Sur lâche à l'œil. Ah, PM. Pourquoi pas. Ah oui, un petit Overvita. D'accord. La massacre, je crois. Pas de dommage, très bien. Ok, bah à croire que je porte un petit peu la poisse. Ou alors c'est Brakmar qui porte la poisse. Un des... Oula, il y a beaucoup là encore. Donc c'est pas fini, on peut espérer. On a plusieurs anneaux, on va avoir des petits anneaux que je fais pas vraiment. Des tamis, je n'ai jamais fait tamis. Ça me tente jamais trop, on passe dans les beaux jets. Ah ok, donc... On va dire GL et puis... On va voir ce qui nous a préparé. Alors, Mrs. Freeze, sympa. J'ai jamais fait Mrs. Freeze. Hein. C'est pas. Ok, là, on a un petit 3% à repasser sur Coulier Minotaur. Ok. Un obstant. Oh là là. Oh là là, les gars. Une bague lourde. 4 tacles. J'ai classique. Ça ne passe pas. Lamu Automai. J'ai sympa. J'ai même très très sympa. Vraiment. Presque perf, ok. La mue séculaire avec G-perf, quasiment pareil. Pas d'over, pas d'exo pour cent, mais on est sur des G-perf pour l'instant. Une bague l'ours classique, toujours pas d'exo. La... Ça, c'est quoi ça? C'est truc prophète, ok. L'armée, là, on ne s'est pas passé. Oh, oh, joli, joli, joli. Ah, il y a d'abord le PO passé. Ça c'est beau, ça c'est beau et j'en ai fait d'ailleurs de ça. Petit spoil pour le futur. Le PA qui ne passe pas sur Nonastan. Le chevelu, chevelu pareil. J'ai toujours pas, j'en ai pas encore passé mais je m'y suis mis au chevelu. Le Rifix, c'est ça. Ouais. Oh, 4%, joli. 4%. Ah, nice, ah, nice, 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 nice. Alors je sais pas pourquoi. C'est pour toi ces items. Merde. On va lui demander. Ou revente. Bon, en tout cas, il y a eu un beau truc qui est passé. Maintenant, il faudrait le petit exo quand même. Parce que là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, le PO qui est par passé. Le PA qui ne passe pas. Non plus. Allez, le PA, non. Un petit PA à remettre ici avec 50-50-25, c'est très propre. Je sais, mais franchement, je sais pas trop pourquoi il fait ces items, si c'est pour lui ou si c'est pour faire des kamas. Le Bruce qui ne passe pas. Le PA avec 2%. Amiotomai, pourquoi pas. J'ai plutôt mignon. Plutôt très mignon, même. Plutôt très très mignon. Allez. Ça dépend lesquels, ok. Ok, ok, ok. Yes, joli. Joli, joli ça. Magnifique, ouais, 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 magnifique. Allez, moi je disais joli. On peut partir sur un magnifique si tu veux. Le Picano qui ne passe pas. Allez, on veut voir un exo, nous. Franchement, nous on est venu là pour un exo. Pas que des succès sur repassage. Allez, le Menotan peut-être. Un petit exo. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas du tout ce qu'il reste. Hein, je laisse gérer. Allez, le PO, non. Allez, le Krustik. Ça serait cool. Un gros item comme ça. Guten Tag, on part sur un échec. C'est fou hein, quand même. Ça, c'est, ça me fait penser à des bagues lourdes. Vous savez, des bagues lourdes qui ne passeront jamais. Genre. PA sur. La bague lourde qui ne passe toujours pas. Le Tami, il a d'abord à repasser le petit PO. Non. Alors là, il y a l'invo à mettre. On est sur du 7 d'eau. Sur son G. Yes, il va pouvoir faire une tentative. PA qui va. Qui va passer. Allez. Ah là 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 là, c'est terrible. C'est terrible cette malchance. Le PO. Allez. Non. Fujishiro Fuchs. Un petit exo PA. Non. Séculaire. Alors, on est à peu près sur le même. Alors là, ouais.
Non, non, tout à l'heure c'était une automaille. Mais très beau, encore une fois. Yeah! Plutôt sympa. Peut-être qu'il va tenter le PM. Je sais pas. Est-ce qu'il garde? Parce que le jeu est vraiment propre. Est-ce qu'il va tenter PM? Il doit stater. Il doit stater. Il doit dire. Allez, il le tente. Ah là là, c'est terrible. Ouais, dommage, dommage. C'est pas grave. Je sais pas du tout combien il reste d'items. Est-ce qu'on est sur la fin? Je pense qu'on est sur la fin là. C'est fini? Est-ce que c'est fini? J'ai plus rien. Ah bah c'est triste. C'est vraiment triste. On va lui rendre tous ses items bien évidemment. Et ben voilà, bah, il y aurait eu quelques. Le plus gros truc je pense c'est le. Bah, on va faire ça directement, ça sera plus simple. On lui rend ses popos de Brakmar. On garde les Kamas. Non, on va même lui rendre les Kamas. On rend tout ce qu'il nous a donné. Donc voilà, il aura passé. Alors le plus beau truc, je pense. On sera d'accord pour dire que c'est le 4%. Alors, est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est pour lui? Je sais pas trop, mais en tout cas, eh bien, désolé. XD. Voilà, donc on verra ce qu'on pourra faire de cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Merci à Scaling. Peut-être refaire ça dans le futur, il n'y a pas de souci. Et du coup, on se dit à la prochaine. Bye bye, les gars.